Bonjour les amis, c'est Mitratnoman, Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ce ne sera pas vraiment une soluce. Je vais vous montrer un peu ce qu'il en est de cet énorme boss qu'on voit là et qui est un nouveau boss. Il n'était pas dans Breath of the Wild et il est c'est un gigathracien anthracite hein, celui-là, et il est quand même très utile donc pour aller passer à niveau 1, niveau 2, enfin aller à la fontaine des fées. Au-delà de ça, on aime bien se taper des boss. C'est un mini boss, on va dire. Je pense que c'est à peu près du niveau peut-être du ouais d'un j'irais pas d'un Linel, hein, ça c'est sûr que non. Un petit peu plus qu'un Inox. Bon, allez, on va voir. Je pense ouais, du coup c'est plus Litorok en fait au final, hein, parce que moi ce qu'il y a sur la tête. Il dort ou... Oula. Belle onde de choc. Alors des ruades. Je dirais que c'est à mi-chemin entre l'inox et le Litorok en fait. Oula, oula. Arc. C'est pas très ragoûtant. Bon, donc il aspire. Pas aussi simple à grimper qu'un Litorok. Bon, avec son système d'aspiration, là, on peut lui balancer quelques bombes. Ah, évidemment, c'est entouré de miasmes. Allez, aspire. Voilà, aspire. Ah, allez, il a avalé. Peut-être s'écarter, le temps. On va réussir à taper, ouais. Bon. C'est entre l'inox et le Litorok. Clairement ça. Alors les sages là, moi je préférais dans Breath of the Wild qu'ils soient sur le côté et pas des avatars à côté de nous. Je les trouve plus pénibles que utiles en fait au final. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je pense que la clé en fait ben, c'est de bien esquiver. Je crois qu'il a deux attaques, l'aspiration et cette espèce d'onde de choc là, esquive, bombe à balancer dans sa gueule et des coups sur ses points faibles là, comme le Litorok. Semble pas, enfin, c'est pas quelque chose d'infaisable. Hein. Par contre, évidemment. Moi, je précise quand même que ma tenue en défense, elle est niveau 4. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Hein. Je suis pas certaine que ces gros coups là, quand il y a l'onde de choc, si ma tenue était niveau 1 ou 2, si ça se passerait aussi facilement. Je pense que je perdrais énormément de cœur. Bon, bon, il a avalé. Ça lui fait pas ouf de dégâts en fait quand il avale la bombe, mais ça a pour effet voilà de stun. Comme ça on peut aller chercher. Ouais, c'est clairement c'est ça quoi. C'est un mi-chemin entre le Litorok et l'Inox. Mais c'est bien hein, qu'ils fassent des nouveaux mobs comme ça. Et sincèrement, les miasmes me font plus peur
Gigatracien, ils ont trouvé de ces noms dans Tears of the Kingdom, c'est imprononçable. Il se barre? Ce gag, ne me dis pas qu'il a repris tous ses cours. Ah ouais, j'ai eu un petit moment là de peur. Jamais, c'est un monstre qui se barre comme ça en plein combat. Bon, on va le finir. Voilà. Donc, ouais, c'est. Alors, moi, ce que je dis sur ce que je pense sur ce mob, c'est voilà, c'est à mi-chemin entre l'inox et le Litorok. Y aller avec bah, des bombes, vous voyez, hein, ça le stun bien. Et une tenue. Allez-y avec une tenue que vous avez bien augmentée chez les fées. Et franchement, ça se fait pas trop, trop difficilement. Si vous avez voilà, des cœurs, ça se fait pas trop, trop difficilement. C'est pas un linel, ça demande pas énormément de skills. Juste voilà, bien améliorer sa tenue, bien voir le pattern. Il me semble qu'il a deux attaques. Comme je vous disais, celle où il aspire et celle où il fait une onde de choc, où il vous saute dessus. Après, c'est facilement appréhendable comme boss. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va un petit peu plus appréhender les monstres et faire quelques vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter, pardon, il n'y a rien à commander, à nous donner vos techniques. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Bye bye, les amis.